Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va en Allemagne à Europa Park. Donc on va vous filmer tout ça, mais ce soir on dort à l'hôtel donc on va vous filmer tout ça. Vous verrez, vous allez comprendre. Il est exactement 10h42, on va partir dans 5 minutes et on va s'arrêter à Bonn où on a réservé l'hôtel pour se reposer tout ça. Et on reprendra la route le lendemain, donc enfin demain. Notre maman et Diana ne viendront pas avec nous, donc c'est notre papa qui nous ramène. Voilà, en voiture. Hey, il est exactement 11h57, donc il est bientôt midi. Ça fait une heure qu'on roule. Eva ne se sent pas bien, elle est très malade dans la voiture, tout ça. Du coup, là, on s'est arrêté parce qu'elle était pas bien et... Mais putain, mais c'est pas possible la gueule que j'ai. Pas grave, hein, on s'en fout. Ensuite, du coup, elle se sent pas du tout bien. Du coup, on s'est arrêté. Et mon père, il est dehors avec elle. Et puis moi, je suis dedans parce que j'ai pas envie de sortir. J'ai trop la flemme. Parce que j'ai enlevé mes chaussures en fait. Regardez mes chaussettes. Trop la classe, hein. Ouais, je sais. Allez, hein. Bisous, on vous refilmera tout ça et je vous tiendrai au courant pour Eva. Ouais, elle est toujours dehors, elle est vers là-bas. Voilà. Bisous. Hey, donc là nous sommes arrêtés à Massiac pour manger un petit bout. Il est midi et quelques. Et je voulais vous dire quelque chose. Quand Megan tout à l'heure dans la voiture vous a dit que je me sentais mal, ça va un peu mieux, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Mais je pense parce qu'elle a faim, du coup ouais, elle a envie de vomir et tout. Ouais. Donc, c'est bon, coup... arrête de me faire penser à ça. Oui, donc du coup elle est trop belle la ville. Moi j'aime Massiac. Et on vous laisse, on va manger un bout, arrête. On a acheté des sandwichs et c'est au pâté et au cornichon. Voilà, on va voir si c'est bon, on vous dit. Ouais. Bonsoir. Arrête. C'est pas bien de parler à la bouche pleine, mais là je veux pas. Alors tu te tais. La violence. Alors depuis tout à l'heure, mon père il va super vite. Et les autres là, les voitures de devant, pareil. Et dès qu'on a vu la gendarmerie et tout, alors là personne n'ose avancer. Hein. Là. Ah, il essaye, eh ben non, il s'en va pas. Il a vu la police, il l'avait pas vu. On est dans un tunnel. Je vais vous montrer. Nous sommes près de Lyon, nous sommes en train de bouffer des donc, fraises, elles sont juste trop bonnes. Donc et on vous racontera pas ce qui s'est passé. Des raisins. Donc là nous avons des fraises trop bonnes et des raisins qui sont trop bons aussi. Et là Eva, elle mange. Elles sont trop bonnes. On arrive dans 1h30 à peu près. Ouais. Bisous mes amours. Bisous les amis. Donc voilà, on vient d'arriver à notre hôtel. J'espère qu'il est bien. On a laissé nos valises là-bas. Trop joli. On va vous montrer nos valises aussi. Donc là c'est la réception. J'ai couru. Regarde. Donc ça c'est la valise de Negin, donc pareil, la tour Eiffel. Et ça c'est ma valise. On découvrira la chambre avec vous. Voilà, gros bisous à tout à l'heure. Je vous aime. Cette madame, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, en fait, donc on est parti dans l'hôtel. Vas-y, filme. En fait, attends, filme. On est parti dans cet hôtel-là. On est parti à la réception. La dame, on dit notre nom, etc. Et la dame dit, vous êtes, non, je ne vous trouve pas. Vous êtes sûr que c'est le bon hôtel? Negin va voir la bretonnière, je sais pas quoi, là. Et après, ah non, c'est pas ici, c'est juste à côté. Et après, elle nous dit, non, mais vous n'êtes pas les premiers, etc. Là, j'en ai marre. Bon, il était joli. On va voir l'autre comment il est. Allez, c'est parti. Ouais. Ça y est, c'est bon. Là, on est au bon endroit. Là, c'est notre hôtel. Voilà, parking, tout ça.
Il est plus joli, je trouve. Mais je me suis trompée, non mais la honte de la vie, quoi. Ça va, elle nous a dit qu'on était pas les premiers, donc ça va, c'est bon. En même temps, ils étaient à côté, qu'est-ce que tu veux? Donc voilà la... On vient d'arriver dans notre chambre, donc c'est pour une nuit. Le truc, c'est qu'on dirait un petit peu une maison, mais c'est trop bien. La douche, elle est comme ça. Elle est trop bien. Là, nous avons deux grands lits, c'est trop bien. C'est pour qu'une nuit, donc ça va. Et on va pas rester toute la journée dans la chambre, donc on va vous filmer plein de trucs. Ouais, bisous à toutes. Hey! Donc là, on vient de se préparer et on est arrivé. Donc, dis ce qu'on va manger. Donc on va manger comme d'habitude kebab frites, hein, les gars. Arrête de dire ça, ils vont prendre pour des gros après. Non mais en fait, à la base on se disait ouais on va aller dans un restaurant chic, un peu chic et tout. Sauf que salade. On y allait, on a vu ce qu'il y avait à manger, franchement salade comme ça, 45 ça euros pas, tu vois. T'as un kebab pas. Comme ça avec plein de frites à 5 euros. Donc, allez c'est bon, c'est parti les gars. Donc voilà. Le choix est vite fait, comme on dit. Au début aussi, on voulait aller au McDo, mais McDo, on n'avait pas trop envie. McDo, ça y est, c'est bon. C'était le passé. C'est plus à la mode, McDo. Et vous savez que le présent, ça n'existe pas. Parce que regarde, c'est pas pour le présent. Mais what? Come now, fall Mali. On a entendu Shape of You 45 fois dans ouais, la voiture. Grave. En plus, c'est trop notre chanson. Ouais. I'm in love with the Shape of You. On vous refilme. On refilme quand on a nos kebabs. Voilà. Kebab. Voilà. Comme d'hab, hein. Allez. Les frites bon sont. Bon appétit. Oui, et les frites sont super bonnes. Hey! Donc. On s'excuse avec Negin d'hier après le kebab. On n'a pas filmé car on était fatigués. Enfin, on est rentrés. On a passé du temps à regarder la télé et on s'est endormi. Elle était très bien pour une nuit. C'est parfait, je trouve. Les lits sont bien. J'ai bien dormi. Negin aussi. Mais pour une semaine, non, ça le ferait pas avec Negin. On voudrait pas rester ici pendant une semaine. Salut tout le monde. Oh là, vous pouvez me voir avec les cheveux natural. Non, encore. Non, mais ses cheveux, c'est de la merde. Hein. Ah, j'ai le poil dans les yeux. Ah, voilà. Donc là, il ça fait y est, froid. Nous sommes prêtes. On va rendre les clés. Et on va aller au. Bien. Et là, on va direction Europa Park. Là, mon père, il vient d'arriver là. On va rendre les clés et on va direction Europa Park. Et on vous refilmera tout ça, enfin sur la route tout ça, je vous filmerai un peu. Ouais, à bisous. Bon, là on est dans la voiture. Encore à cause de moi et de mon GPS, nous nous sommes trompés. On va faire 30 kilos parce que comme vous le savez sur l'autoroute, pardon, on peut pas faire de tour. Donc on doit partir pendant 30 minutes jusqu'à un endroit où on doit tourner. Voilà, donc du coup pendant 30 km on doit y aller comme ça et on pourra faire demi-tour ensuite. Du coup, ben encore à cause de moi et de mon GPS, bah oui, hein, comme d'habitude. Voilà, on s'est trompé d'hôtel à cause de moi, on s'est trompé de route à cause de moi. Je ne comprends plus. 90 ici. Et à tout de suite. Enfin, à tout à l'heure. On refilme vers 14h30 dans une heure. Hey. Donc. Détournez-vous, il y a une voiture trop belle. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute, donc voilà. On a acheté des chips. Et on a acheté deux. L'Oasis. Il est exactement 14h58. On vous a dit qu'on filmera. Ouais, on vous a dit qu'on filmera à 14h30. Mais en fait, on filme à 15h. Mais voilà, vous nous connaissez. Voilà, regardez là. Bisous. Non, il reste que 30 secondes. Ah ouais, tu t'en souviens là, au truc là, t'as cru que c'était une minute. Bon.
Bon, là, il n'y a plus de vernis, mais c'est pas grave. Ça y est, on vient d'arriver. On voit les manèges comme ça. J'ai trop peur. Ouais, on voit les manèges. Attendez, je vais vous montrer. On vous dit juste et on est à 3 minutes d'Europa Park, donc allez, c'est parti. Vous dit juste que c'est demain le tournage et après-demain, c'est pas ouf. Voilà, donc je vous rappelle que Europa Park a été élu 3 fois meilleur parc du monde. Ça y est, on est arrivé, regardez. Voilà. En fait, ce n'est pas un hôtel, c'est un palace. L'hôtel il est vraiment trop magnifique, je suis choquée. On va vous filmer tout ça, c'est juste trop magnifique. Ouais. Voilà, c'est trop joli. C'est trop joli. Attends, c'est où l'entrée de l'hôtel? C'est là, hôtel El Andalus. Il y a du vent par contre. Souhaitez-nous bonne chance pour demain, moi j'ai trop peur. Trop trop joli. Ah non, ah ouais. C'est trop joli ça. Allez, c'est parti, on va entrer. Voilà, on va dire bonjour. On va se présenter tout ça et on vous refile. On se retrouve tout ça juste après. Voilà, on est arrivé. Ici, on est juste là. C'est juste trop magnifique. C'est notre chambre. Hop. Ah, c'est ça. Ah merde, il y a une autre porte. Genre super, super sécurisé. C'est beau. Oh my gosh, elle est trop jolie. C'est notre lit. Ouais, ouais, c'est notre lit. Mais on aura besoin de deux autres lits là. Attends, phone. Salut. Hey. Ho. Hey. Alors. Mais c'est trop. Non, on dirait un peu une maison d'avant. Il y en a, il y a tu la vois, douche. Attends, il y a. Ah, on a une douche italienne. Oh, elle est trop jolie. Et il y a marqué un truc là. On a une douche italienne. Jolie. On a une douche. Ça. Ok, alors ça, ça veut dire masse balai. Ok, donc du coup, on va vous laisser. On va se reposer un peu, on va manger un truc parce que j'ai juste trop faim. Regardez, on sort. Gros bisous, mes amours. A tout de suite. Regardez. Hey. Donc là, on est au resto et on est avec l'abonné. Donc, je t'appelle. Oh. Amélie, elle s'appelle, elle est trop jolie, elle est trop gentille. On mange là. Ouais, on a rencontré tout le monde, on a parlé. Voilà. Quand les frites, c'est toute ta vie là. Je ne t'ai pas dit, le petit déj, c'est pas ici. Le petit déj, c'est dans le resto Don Quichotte à côté. Là, vous avez pris à gauche. Arnaud. Là, vous avez pris à gauche. Et après... Donc là, c'était Arnaud, c'est lui qui a organisé tous les jeux. Et ouais. Trop sympa. Et tout le monde est sympa là. Regardez l'ascenseur qui est trop beau. Trop beau. Il est juste magnifique, chérie. Oh, trop bien. Mais ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi ça? T'as mis dedans? T'imagines du coup ça? Oh le loup. Imagine ça marche pas. Oh putain. Ouf. Ouf. Oh là là. J'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Donc là il est 1h05 du matin, on vient juste, on va se coucher. On va se lever à 6h, voilà. 5h30. Ouais, ouais, elle 5h30, nous 6h parce qu'on est trop des crevardes. Donc on vous souhaite une bonne nuit si vous regardez cette vidéo le soir. Et même tout à l'heure on allait trop. Non, à demain. Ben non, oh, pas non, il est 1h du matin les gars, je suis fatiguée. Il est déjà demain là en fait. Oui, on s'en fout. À tout à l'heure. Bisous mes amours. À toutes. À toutes. 5h30, elle a dormi jusqu'à 6h. Non, 5h45 elle est. Ouais, 5h40 donc, quoi. Donc du coup voilà, là il est quelle heure? Il est bientôt 7h, il est 6h55. On doit y aller parce que le tournage c'est à 7h30. Et on doit aller déjeuner avec toute l'équipe à 7h. Bisous mes amours et à tout de suite. Tu t'allais passer dans salut. On a déjà donc eu là, peur.
Là, on est dans les petites voiturettes, là, et on est derrière. On est genre... J'ai peur de faire tomber, moi. Bravo. Par les coulisses. Ouais. On vous laisse et on refilme. On est tous en violet, la team violet. La team violet. Et ouais, ma gueule. Allez, on bisous, mes amours. On équipe les micros. En fait, je suis déjà en rouge. Kate, avant de commencer, tu vas tourner. Allez, gros bisous à tous. Donc, je vais vous filmer. Hein, Salut. Aïe. On va voir à l'écran comment ça a fait. Ouais, et du coup, là. Moi, je vais mettre là en danse là-dedans, là, parce que là. Et là, genre, elles vont aller dans le manège. Tu dors encore, toi? Parce que je suis. Mais regarde, c'est toi qui traînes, moi, je suis 20 mètres de long. N'importe quoi. Donc, là, est-ce qu'on prend un mur? Là. Allez, c'est bon, il y a les deux petites filles en violet. Alors, les gens, je viens de sortir du. De le Romire. Ah, mais j'en pouvais plus, il faisait que rigoler, j'en pouvais plus, j'étais à côté, je faisais que gueuler. La barre, elle a été énorme. Non, mais challenge. Il est trop méchant parce qu'il faisait que rigoler et tout. C'est quoi? Ça, c'est ma chérie. C'est Candice. John, il en pouvait plus, il m'a saoulé. Il m'a saoulé parce qu'il faisait que rigoler, il était à côté de moi, je m'accrochais à lui en fait. Genre, il faisait que rigoler et tout. Et moi j'étais là. Vous allez voir ma gueule. Ma gueule, elle est comme ça. Et tout, c'est dégueulasse. Non, elle est pas comme ça, elle est comme ça. C'est pas beau à voir. Hein. C'est pas beau à voir. Hein. Donc là, on va faire notre portrait. Arrêtez. Vous voulez que je vous montre, il y a quoi? Avec ses lunettes de soleil, là, petit beau gosse. Donc là, on vient de finir de tourner le portrait. Ça s'appelle le portrait. Voilà. Je sais pas comment je vais faire. Bon, allez. Bisous. Là, il est quelle heure? On va aller manger bientôt. Hein. Non, mais là, on va faire le smoothie challenge. Donc là, on fait que attendre. On attend. La tête. Ah, mais on attend. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. C'est la tienne. Bande de fous. C'est des fous. Ce mec est fou. Guili. Non. On a dit non. Hello. Super qualité. Putain, mais ça te rend beau. Tu vois, ça te rend beau là. Là, tu moches. Là, tu es beau. Merde, tu sais que là, passe-moi ça. Je vais vous apprendre ce que c'est un vrai vlog. On a volé son portable. Non, c'est pas ta ville. Attends, je vous préviens, on va courir dans 3, 2, 1, elle nous trouvera jamais. Moi je m'en fiche de l'émission. Vous allez vous faire engueuler, vous. J'aimerais pas être à votre place. On va se faire défoncer, les gars. Donc là, on attend pour le smoothie challenge. C'est trop long. Non, t'es fou. T'as pas commencé encore. Regardez, ça c'est joli, hein. Mais arrête. Mais c'est pas possible, ils font que m'embêter depuis tout à l'heure. Donc il est souriant. Mais c'est des bandes de feu, il me fatigue. On vous reprend. Ah, tu fais comme ça. Tout de suite. À tout. Mais tais-toi. On vous reprend tout de suite. Gros bisous. Donc là, nous allons manger. On est au Food Loop, ça s'appelle. Et genre les plats, ils arrivent comme ça là, enfin ils font des manèges. Enfin, c'est juste trop classe, je vais vous montrer. Non, mais regardez notre table. Regardez notre table. Table de couchon. Non mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Comme ça. Là, vous voyez, les plats partent comme ça. Comme là. Regardez comment ça fait ça. Là, par exemple, ça part. Six.
Donc là, nous sommes dans les tasses. Nous devons. Faut que je me remette. Vous verrez à la mission, je dois donner des pinces à linge aux filles. Et elles doivent les mettre dans des tasses qui tournent. Ça va être bien. Moi, je vais vomir. Non, on va gagner. Il faut. Merci. Les filles, bah vous tournez là dans 2 minutes. Attends, moi, faut pas montrer la danse. Les filles, allez, trop photo de film. On va monter dans ce manège là. On n'explique rien du tout, vous allez voir dans l'émission de Gulli. Bisous d'amour, à bientôt. Bisous bisous. Rempli. Et genre, j'ai été trompé. T'as pas pensé à un moment, t'avais même. Oh, y'a de l'eau partout. Mais en fait, mon bouquet était toujours rempli. Mais c'était qui? Il part toujours aussi vite, hein, c'est surprenant. Vous kiffez le moment où je prends le vlog, évidemment, c'est le meilleur moment. Sister Alipour alias les Sister Escro. Voilà, donc on aura aussi la revenue de leur team. Voilà, qui profite. Je couperai au montage. Non, on coupera pas au montage parce que voilà, sinon. Voilà. Non, le papa de la meilleure abonnée de la journée. Ici, comment on fait pour viser? Bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Du coup, après là-bas, on a Johan, évidemment, Johan est toujours présent. On a le best of the best et la maman. Voilà. Nous sommes à la salle de sport avec David and Joël. Bonsoir. Tu fais quoi toi? Hey. Hey. Donc là en fait on est où? On est au Buffalo, voilà. Donc en fait on a décidé que ça soit que c'est Negin qui le fasse. On va vous montrer ce que ça donne. Voilà, dans quoi elle va être. C'est super grand le manège. Le Buffalo. Voilà, alors là, on va m'interviewer. Attends, merde. Comment on fait? Merde. Voilà. Là. Bon, voilà. Là, c'est Gabriel, c'est mon poteau. Là, c'est le caméraman. Nico. Là, c'est Maxime. Donc là, il y a tout le tournage. Et voilà. Bon, les gars, on vient de stresser de fou parce que notre coéquipier. Mon poteau, il est là. Il m'a fait trop peur. Notre coéquipière Amélie avait perdu son téléphone dans les balles. Tu sais, la piscine de balles. Et j'ai fait que l'appeler genre 4-5 fois pour essayer de trouver son téléphone. Et là, j'ai vu une lumière, elle a pas. Ah fais, là là. Fais bisous. Salut tout le monde. Là, on vient de terminer le tournage. Enfin, on vient. Hier soir, on a terminé le tournage. Repartir tout ça, sauf que avec Eva on était juste trop crevés, on n'a pas pu filmer et tout, on est vraiment désolé, mais on est arrivé vers 1h à notre hôtel à Bonn pour se reposer et puis là on repart, il est 10h, on va à Clermont, vous saurez pourquoi dans un prochain vlog et on arrivera vers 12h40 à Clermont. Je voulais remercier aussi toute l'équipe, tout monde là-bas qui était vraiment super. Franchement c'était un tournage de fou. C'était énorme, c'était j'ai pas les mots. Franchement ils vont tous beaucoup me manquer et à Eva pareil. C'était vraiment super, on les remercie du fond du cœur. On voulait aussi vous parler d'Europa Park. C'est vraiment un parc génial, familial, enfin il y a vraiment de tout. Eva qui se cache. Et c'est vraiment trop bien. Même moi qui ai peur des manèges, j'ai su faire des trucs. Même les gens qui ont peur et tout, il y a des trucs vraiment qui font pas peur. Enfin, c'est vraiment familial. Et c'est vraiment un parc génial. Si un jour vous passez en Allemagne, tout ça, n'hésitez pas à aller au parc. Enfin, vraiment, je vous conseille. Et à bientôt pour un nouveau vlog. Bye.